Le régiment de Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduite à l'immortalité. Tous ces fiers enfants de la Gaule allaient sans trêve et sans repos, avec leurs fusils sur l'épaule, courage au cœur et sac au dos. La gloire était leur nourriture, ils étaient sans pain, sans souliers. La nuit, ils couchaient sur la dure, avec leur sac pour oreiller. Le régiment de Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduit à l'immortalité. Pour nous battre, ils étaient 100 000, à leur tête, ils avaient des rois. Le général vieillard débile, faibli pour la première fois, voyant certaine la défaite, il réunit tous ses soldats. Puis il fit battre la retraite, mais ils ne l'écoutèrent pas. Le régiment de Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui la conduit à l'immortalité.